Êtes-vous souvent fatigué même après une bonne nuit de sommeil Votre énergie est souvent faible et les tâches quotidiennes peuvent devenir des fardeaux. Et en plus, vous avez beaucoup de mal à perdre du poids. Peut-être que vous êtes comme ces millions de personnes qui vivent avec un métabolisme lent ou cassé sans même le savoir. Sachant d'autant plus que depuis cette année, on sait qu'il y a officiellement un milliard d'obèses sur cette Terre. Un métabolisme cassé n'explique pas tout, bien sûr, mais dans cette vidéo, on va voir ce que c'est en particulier. Un métabolisme cassé ou lent signifie que votre métabolisme ne brûle pas efficacement les calories, pas aussi efficacement qu'il ne devrait. Cela peut entraîner une prise de poids, de la fatigue constante et des maladies métaboliques. Heureusement, il existe des solutions simples. Naturel pour réparer un métabolisme lent. Un des principes de base, c'est qu'il va falloir casser le cercle vicieux qui vous a emmené dans un métabolisme lent. En gros, plus on a de masse grasse, plus on a de masse grasse. Comprendre d'où ça vient, il faut imaginer votre réserve de graisse, la graisse corporelle, comme une sorte de réservoir à énergie. Et le réservoir dans une voiture, par exemple, eh ben c'est inerte, ça ne fait rien. Ça ne brûle pas d'énergie. Et aussi comme dans une voiture, pour continuer cette analogie, si vous augmentez la taille de votre réservoir, vous allez avoir certes une plus grande autonomie, mais vous allez aussi augmenter le poids total de la voiture. Maintenant, imaginez que dans votre voiture, vous augmentez la taille du moteur. Il va consommer plus d'énergie, il va donc vider plus rapidement l'énergie qu'il y a dans votre réservoir. Dans votre corps, votre masse grasse, c'est le réservoir. Et votre masse sèche, vos muscles, ce sont le moteur. Il faut donc effectuer une sorte de recomposition corporelle, diminuer la masse grasse et augmenter la masse sèche. Et donc, pour amorcer cette recomposition corporelle, voici trois étapes simples qui vont vous permettre de mettre en œuvre concrètement un métabolisme plus rapide. Premièrement, adopter une alimentation anti-inflammatoire riche en bonnes protéines. Tout comme un feu, l'alimentation que vous consommez peut soit attiser le feu soit l'étouffer. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que l'alimentation anti-inflammatoire est la base de ce que j'enseigne pour rester en bonne santé. Cette alimentation est idéale car elle est riche en antioxydants, en oméga 3 et en vitamines et minéraux essentiels. Cela inclut par exemple les baies, les épinards, les noix et les petits poissons gras. D'ailleurs, si vous souhaitez démarrer l'alimentation anti-inflammatoire, je vous mets dans la description de la vidéo mon petit guide gratuit pour bien faire les choses et démarrer l'alimentation anti-inflammatoire sans faire d'erreur. Et pour revenir à notre sujet, en plus d'une alimentation anti-inflammatoire qui va vous permettre de rester en bonne santé, il va falloir consommer en plus des bonnes protéines régulièrement. Comme on l'a vu avec l'analogie de la voiture, plus votre moteur sera gros, plus vous allez brûler des calories au repos, même sans rien faire. C'est l'avantage d'avoir justement plus de masse sèche. Et pour avoir cette masse sèche, une des premières étapes, ça va être de donner ce qu'il faut pour la créer, c'est-à-dire les protéines. Lorsque vous consommez des protéines, votre corps les décompose en acides aminés, qui sont ensuite utilisés pour réparer et construire les muscles. Et plus vous avez de masse sèche, plus votre métabolisme au repos, qu'on appelle le métabolisme basal, va augmenter. Vous construisez ainsi, étape par étape, un plus gros moteur. De plus, les protéines ont un effet satiétogène, ce qui signifie qu'elles aident à contrôler l'appétit en augmentant la sensation de satiété. Cela va donc réduire les envies de grignotage et aider à maintenir une alimentation équilibrée, essentielle pour éviter la prise de poids et d'autres problèmes métaboliques. Une bonne consommation de protéines est donc essentielle pour augmenter votre métabolisme de base, mais aussi pour rester en bonne santé. Si vous êtes une personne sédentaire, comptez environ 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Sauf bien sûr si vous êtes en obésité sévère. Dans ces cas-là, il faudra d'abord perdre du poids. Avant de pouvoir faire ce calcul. Si vous êtes euh, une personne sportive, vous pouvez augmenter ce volume à 1,5 à 2 grammes de euh, protéines par kilo de poids de corps et par jour. Un exemple concret, par exemple pour changer votre petit déjeuner, qui est souvent composé de glucides dans l'alimentation traditionnelle française, vous pouvez par exemple le remplacer par des œufs, qui sont donc très riches en bonnes protéines, surtout si vos œufs sont bleus, blancs, cœur. Et bio, et vous pouvez aussi consommer pourquoi pas des flocons d'avoine avec des baies, par exemple, les flocons d'avoine ayant une quantité de protéines qui est plutôt intéressante. Point suivant pratiquer une activité physique régulière. On en parlait à l'instant avec la croissance de la masse musculaire qui va permettre d'augmenter la taille de votre moteur et donc d'augmenter votre métabolisme basal. Les protéines sont la matière première pour augmenter la taille de votre masse musculaire, mais l'activité physique sera l'élément qui va vraiment enclencher le processus. Retenez bien que l'activité physique est le moyen par excellence pour augmenter la vitesse de votre métabolisme. Quelques exemples d'activité physique, premièrement la marche quotidienne que j'évoque très souvent dans mes vidéos, mais ça peut être aussi pour les personnes un peu plus avancées, l'intervalle training, le hit H -I -I -T, qui va permettre d'avoir une bonne combustion euh, voilà interne, hein, on va dire pour simplifier, qui va faire chauffer votre moteur, et qui en plus, lorsque c'est bien fait, va vous aider à construire de la masse musculaire. Troisième point, ça peut être juste du renforcement musculaire, à faire un peu tous les jours, ce sera parfait pour vous aider à construire de la masse musculaire. Autre solution, ça va être de rester actif toute la journée, et d'éviter de rester au repos, et d'utiliser ce qu'on appelle les NEAT. -E les NEAT, c'est l'énergie dépensée pour tout ce que nous faisons en dehors de dormir, manger, respirer, et faire de l'exercice physique, forcément. Cela peut être l'énergie dépensée à marcher dans la journée comme les déplacements de la vie courante, le jardinage, le ménage, sortir les ordures ménagères par exemple. Donc truc tout bête qu'on vous dit souvent mais que peu de personnes font, c'est de choisir par exemple les escaliers à la place de l'ascenseur ou lorsque vous téléphonez à quelqu'un, eh bien au lieu de rester assis, eh bien marcher. Toutes ces petites micro-activités mises bout à bout vont augmenter l'énergie dépensée sur une journée construire du muscle à petite échelle, mais néanmoins c'est mieux que rien, c'est mieux que d'être sédentaire, et ça va favoriser eh l'augmentation de votre métabolisme, de votre moteur interne. Point suivant, ayez un bon sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité va augmenter les hormones de la faim et diminuer la vitesse de votre métabolisme. Comme le montre cette étude, les hormones telles que l'hormone de croissance, la mélatonine, le cortisol, la leptine et la gréline sont affectés par le sommeil et les rythmes circadiens. Des perturbations dans ces cycles peuvent mener à l'obésité, la résistance à l'insuline et d'autres déséquilibres métaboliques. Comme je l'explique souvent, la nuit c'est le royaume des hormones. Donc si votre nuit est de mauvaise qualité, eh bien, vous allez dérégler, désorganiser vos hormones. Comme on l'a vu dans l'étude précédente, un mauvais sommeil peut en particulier désorganiser vos hormones qui gèrent votre appétit, la gréline et la leptine, et votre hormone qui gère votre niveau de sucre dans le sang, l'insuline. Et cela peut influencer négativement vos choix alimentaires dans la journée qui suit une mauvaise nuit. Vous aurez plus envie d'aller vers des produits sucrés que vers des brocolis par exemple. Et pour l'insuline, lorsqu'on devient résistant à l'insuline, ce qui peut arriver eh bien, par des mauvais sommeils à répétition, comme on l'a vu, et eh bien votre niveau de sucre dans le sang va être chroniquement élevé, ce qui va poser plein de problèmes de santé et qui va aussi vous faire prendre du poids. Parce que cette hormone est l'hormone du stockage. Plus vous avez un niveau d'insuline qui va être élevé, plus votre corps voudra stocker. C'est aussi bête que ça. Et en plus de cela, avec des mauvaises nuits à répétition, cela va augmenter le cortisol, l'hormone du stress, qui elle aussi est problématique lorsqu'elle est sécrétée de façon trop importante. Et à terme, ça peut vous faire prendre du poids et déséquilibrer votre métabolisme. En résumé, un mauvais sommeil crée un cercle vicieux où la résistance à l'insuline et la perturbation des hormones de l'appétit conduisent à un métabolisme inefficace. Il est donc essentiel de sacraliser votre sommeil et d'essayer de dormir en moyenne 8 heures par nuit avec surtout une nuit de très bonne qualité. Un truc qui peut littéralement bousiller votre métabolisme sur le long terme, c'est le fait d'avoir des fringales, de manger trop souvent entre les repas. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet pour vous aider grâce à cette technique à ne plus grignoter entre les repas. Si vous souhaitez voir cette vidéo, hop, elle est juste ici, elle sera complémentaire par rapport à celle-ci. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Bye bye